Salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 33. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, éteignez la lumière, mettez-vous dans de bonnes conditions, profitez de la 4K si possible, 60 FPS. Et si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas le like et le petit commentaire, hein. Merci à tous ceux qui font encore cet effort. Ça fait évidemment extrêmement plaisir. En tout cas, on avance bien, on avance vite, on avance plutôt proprement. Donc, quel plaisir, j'ai envie de vous dire. Et là, on va utiliser un petit raccourci de Scar qui va nous permettre d'atteindre l'hôpital. Et comme je vous disais à la fin de l'épisode dernier, je pense qu'on va clairement arriver... je peux faire une break, hein, je suis désolé. Je pense qu'on va... clairement arrivé en retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vous savez que c'est Bush Richard Petit, étant donné que c'est lui qui l'a fait. Ellie ainsi que Tommy. C'est l'immeuble, on doit aller. Ok, il me paraît pas si loin. Alors, voilà les rapides. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour tout le monde? Eh ben... il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowell, assurément. Ce serait... ce serait pas l'idéal. Je pense qu'elle va s'en sortir. Si on récupère le matos, elle a bonne chance. Tombe pas à l'eau. Sera emporté par les rapides. Ok. C'est nager, au moins. Ouais. Tombe pas. T'es sûr de toi, c'est bien. Fais-lui confiance un petit peu, on va essayer de fouiller là. MDR. Une minute. Oh, malin petit. Malin le lynx, en vrai j'aurais pu le faire, mais flemme, donc merci quand même, bro. Alors, on n'a rien, il faut vraiment que je me refasse des munitions, parce que là c'est la crise de ouf. Qu'est-ce qu'on a là? Une petite régalade, s'il vous plaît, une régalette, ça serait assez ouf. Hop, oh, j'avais oublié ça, voilà. Là il n'y a plus rien, il me semblait avoir... Attention! Voilà, je préviens jamais! Voilà, j'avais dit que je prenais jamais. Bon! Alors, par où on va? Tiens. Par ici, peut-être, sûrement. Cascade! Double cascade! On va être enchaîné. Cascade! Double cascade! Double cascade! Ok. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. Oh, je suis putain. T'es déjà allé sur cette passerelle? De marteau. Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Séraphite. Je ne sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. D'accord. Fedra. Ok, D6, bien compris. Je sais pas pourquoi je confonds toujours au moment de lire Fedra, même sur les petites lectures, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est Freda, et c'est horrible, vraiment. Et non, en fait, c'est Freda. Non, putain, c'est Fedra, vous voyez? Terrible. Oh! Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Alors, sauvez-moi par pitié, envoyez-moi n'importe qui, un wolf, un séraphite ou autre, je m'en fous, je ferai tout ce que vous voudrez, je me balaferai, je descendrai des connards de la Fedra. J'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie, aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. Bon. Très bien. La Fedra aussi, c'est un sacré problème, hein, apparemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est home cinéma, rien de fou. Machine à laver, ok. Hop, ça, on ouvre. Voilà. Ça, on en a besoin, c'est bien. Très bien. Quoi d'autre? Didadidadoum. Forcément quelque chose là-dedans. Un bye, non? Un bye-bye? Peut-être par là. Et là, il y a quoi? Il y a une sortie, non? Ah! Voilà. C'est pour aérer un peu. Ok, on peut rien faire ici. Ah, si, regardez. Non? Oh merde. Fais gaffe au bout de verre. Ah! Ok. Alors, bonjour, messieurs, dames. On va ouvrir ça. Hop, du tissu. Hop, on est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus pour le coup. Et ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Oh, régalé le frérot, hein. Ah, c'est ses petites réserves, hein. Il s'est mis un petit cutter et tout de côté, ça fait plaisir. Très bien. Je sais qu'il y a deux moyens de monter finalement. Je crois que c'est aussi l'escalier. On va aller checker quand même. Non, pas du tout, c'est un mensonge. J'ai été bercé dans le mensonge. Allez, on y va, mon pote. Vas-y, viens. Viens, viens, viens. Non, tu veux pas venir? Non, tu fais quoi? Il veut pas venir. Si, c'est bon. Non, mais parce que peut-être qu'il y avait une scène en bas, tu vois. Donc je me serais dit, ok, pourquoi pas. Ok, là on a rien. Ah non, il y avait un truc derrière. Oh merde. C'était une brique, je crois. Ouais, c'était une brique. Ok. Tu vas bien? Ça va. Et comme un... T'es sûr? Je te dis que ça va. Oh la vache. Pourquoi cette question de mort là? Bon, on approche de ton immeuble. Ah non, à l'immeuble, c'est pas l'hôpital, hein. L'immeuble, c'est juste là où il y aura les raccourcis. C'est oh, chier. Le courant, elle a vraiment fort, là. Sinon, on pouvait ouvrir aussi, regardez. Voilà, c'est pour vous montrer deux manières de rentrer chez soi quand on n'a pas les clés. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ok, on a des BD. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfui? 2 jours. Et vous comptiez aller où? PlayStation 3. Je sais pas, on voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai des objets. Pourquoi tu l'as fait alors? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais. Alors, bon, ça, on prend. Et là, dites-moi quel code, s'il vous plaît. Bon! On va avoir de la lecture, hein, c'est questions-réponses. Chère voisine, nous, c'est Sam et James, on habite au 302. On savait pas qu'il restait des gens ici, mais faut avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Sam. Merci pour le pain et le maïs. Ma mère m'a dit de vous donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas sorti en quart avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial! On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ta mère et toi, Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est génial de proposer d'aider ma mère. Ça ne serait pas de refus. Je vais chercher... des munitions, mais je reviens ce soir. On n'aurait qu'à frapper Julia. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. J'en ai tué 2, mais le 3e a filé. Je laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-nous. Et sauvez-vous, pardon, Sam. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'ils arrivent, on lèvera simplement les mains, Julia. Et ben voilà, une petite conversation très sympa entre gamins. Donc c'était l'appartement 302, si je ne m'abuse. On habite 302, donc c'est en face que ça a disputé du 302. Julia. Donc 300. Hop. On va tout fouiller ici calmement. Donc 302, bon allez, en vrai je peux le faire au bruit, mais on va jouer le jeu, on va essayer de trouver. Une énigme, c'est pas fait pour les plots non plus. Si elle est là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez. Ça c'est forcément un bail, non? Pop, une batte de baseball, non, on a déjà quand même ce qu'il faut. On a déjà de quoi faire 2 one-shots. Ok, là on a rien, dommage. Très bien. Bon, bah il est temps d'aller voir le voisin.
302 et 301. Somme toute logique. Attendez, bougez pas. C'est Sam. Julia, clear, infected, clear. 302 et 301, je pense. Bougez pas. Pour moi, c'est ça. Si c'est les voisins. Donc, 3, donc 30. C'est après dans la vingtaine. Voilà. Et 301 pour moi, non? Non, 304. C'était ceux d'en face, pourquoi pas. Allez, c'est pas mal ça. On prend. C'est pas mal de petites balles. Très sympa. On reload de tout cela. Et on est parti, je crois qu'il va y avoir normalement des infectés. À moins que ça ait été nettoyé. Ce que je doute énormément pour le coup. Toujours pas de pièces. Alors, on peut monter, on peut descendre. Non, on peut pas descendre, on peut monter. Pas d'infecté, ça m'étonnerait qu'il y ait pas de problème. En vrai, ça joue, ça se dose. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Ah, c'est là qu'il faisait son barbecue et qu'il s'est fait arracher la gueule. Très bien, ça. Très, très bien. Mais il s'est fait arracher d'où? Ouais, de là ou de là? Ouais, je cherche un peu les backgrounds. Ok, c'est... Tu t'en sers depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. Plutôt doué. Tu devrais voir Yara. Ouais, mais là, Yara, MDR, elle pourra plus jamais s'en servir. Hein. Je préfère te le dire, petit. Elle ne pourra plus jamais bander un arc. Eh oui. Triste vie. Triste vie pour Yara. Parce qu'on va couper, mon gars. On va couper. T'entends, lève. Lève, lève-toi. Allez, go. Ok. Hop. Voilà, on est bien. Merde. Des démons. Ouais, et ils sont tous sauf soi. Waouh, quoi? Le bord, j'ai envie de dire. Un petit coup gratuit comme ça. Par contre, ça n'a pas one shot. Et ça, c'est bien dommage. Ouais. Bien joué, mon pote. Ta petite flèche là, elle a régalé. T'as tué combien de séraphites? Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Ok. La question avec la réponse. Les deux étaient claqués en fait. C'est la question la plus claquée qui mène à la réponse la plus claquée. Là on a quoi de l'autre côté là? Sur un malentendu. Voilà, là. Quand ça m'énerve, je vous ai dit que je mets des patates. Et là ce four, j'aime pas cette marque non plus. Ok, ça on prend. Ah, ça on prend, j'ai dit. Très bien, là on a rien. Du scotch, on est blindax. Il y a rien dans le diner là en fait, c'est full carotte. Bien dommage. Ok, ça je vais.
C'est des petits soins. Ça, on ouvre. Allez, regardez un peu là. Voilà, ça c'est pas mal ça. Petite cartouche de pompe. Et Dieu sait que le pompe est extrêmement bon du côté d'Abby. Parce qu'il n'y a que deux cartouches, mais probabilité de one shot très élevée si tu vises la tête. C'est pareil, c'est une tête sûrement. Ok, il n'y a pas grand chose là. Là, hop. Je suis toujours petit. On n'est même pas encore au bâtiment. Hein. Le courant est super fort par ici. Faut vraiment que tu fasses gaffe, d'accord? J'ai déjà fait ça. Allez, viens, c'est que des cascades! Ok. Alors. Il faut. J'ai peur. Il faut vraiment que j'améliore de quoi. Oh, lui, c'est faire un chef-d'œuvre. Fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. Va commencer à nous faire chier, là, le gamin, là. Va commencer à nous faire chier. Qui a décidé, d'ailleurs, Séraphite ou Scar? Pourquoi Scar? C'est vrai, ça faudrait savoir. Hop, ça on prend. Est-ce que vous pensez qu'on a de modifier? Je pense pas qu'on ait de quoi modifier. Maintenant, ce que j'aimerais. Dégâts, stabilité. C'est la capacité que j'aimerais modifier à 2-3 trucs là. Recul, stabilité, capacité. Donc pour l'instant, on est encore loin. Donc on ne va rien faire. Parce que la capacité permet d'avoir beaucoup plus de balles. Et c'est quand même un petit peu plus plaisant. Allez, on va fouiller là-dedans. Regardez-moi ça. Putain, je crois qu'on a de quoi là. Vas-y, suis-moi. Je crois qu'on a de quoi. Alors. On a toujours pas de quoi. Ouais, c'est du pistolet, quoi. Moi, il me faut la capacité du gros fusil d'assaut. Ça pourrait être pas mal. Je pense que ça a monté à 10 sûrement, un peu comme ça. Mon nombre de balles. Et ça sera plutôt cool. Ok, là on a rien. Allez, vas-y mon frérot. On avance. Tu vas sûrement mourir dans notre souffrance dans cette aventure. Ok. Oh non, ça va vite, c'est du speedrun. Alors, on va fouiller ça. Voilà, on va tout fouiller direction. Putain, direction l'hôpital, c'est pas à côté encore cette connerie. Ça va nous demander un jour. Hein. Ouais, cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Ok, merci petit. Très bien. On a quoi là? Hop, ça c'est bon. On va pouvoir déjà améliorer des trucs en plus. Ça c'est plutôt cool. On a quoi ici? Que dalle. Que dalle. Attendez, je suis blindax sur tout là, on est sérieux? Ok. Calme-toi. Voilà. On est mieux là. Bon, par contre, Scotch, j'ai rien à faire, hein. je suis rempli. On peut descendre ici. On peut aussi descendre là-haut, me semble-t-il. Je sais pas par où descendre, vraiment pour optimiser notre chemin. Vas-y, go. On va rester à cet étage-là, sur un malentendu, ça peut le faire. Ah, mais là, on monte. Là, on monte alors qu'on pourrait descendre. Ah, oh, c'est chiant. Bah voilà, c'est typique le choix où tu sais pas si la suite c'est en bas ou en haut. Et quoi qu'il arrive, tu peux pas tout fouiller. Donc tu n'as pas tout fait, donc c'est très très chiant. Attends, je suis déjà venu ici. Oh, je sais plus. Perte de mémoire instantanée, je vous l'ai déjà dit. Non, je suis jamais venu. Je crois pas. Si, mais si. Non, non, non. La cible me dit rien. Oh là là, c'est horrible, frérot! Trop de chemin là, les gars! Et là, je suppose que je peux plus remonter ici. Si, c'est bon. Bon, bah, on va fouiller tout là-haut, là. On va voir ce qu'il y a.
Et puis sinon, on descend. Je sais même plus où je suis venu en plus. Allez, go. Ça a l'air grand, ça a l'air beau. C'est le chemin. Je pense qu'il faut prendre. Ça en fouille. Oh, une bouteille d'eau, ça je prends. Des ciseaux, ça on prend. Ok. Bon bah la suite est par là, je suppose. Je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc de ouf, j'en ai aucune putain d'idée. Ça me stresse, je fais pas d'y réfléchir là. Je vais peut-être y penser. Je me dis que j'ai sûrement loupé un truc. Il y a un cousin qui avait une vertige. Tant mieux pour lui. Ok, il y a toujours le petit effet. Par là ! J'ai littéralement pas regardé en bas. Ok. Oui ? Regardez quand on regarde en bas. On y est. D'accord. C'est à ça que ressemblent tes passerelles de mort. Allez, viens. On va encore monter longtemps. Tout va bien se passer. Ça veut dire oui. Oui. Quel bordel. C'est bien, ils ont fait leur petit chemin et tout en vrai, hein. Propre, hein. Propre. Dommage, c'est critique. Cet échec cuisant. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais en fait, je crois qu'il n'y a rien. Non, c'est la pièce à côté. Frimeur. Alors. C'est pas si dur que ça. Ouais, ouais. À diffuser. Les anciens ont convenu d'une trêve avec les wolves. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les séraphites en transit sur leur territoire externe. Pour préserver la paix, nous devrons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes. Il s'agit simplement d'un autre moyen de les atteindre. D'accord, donc malgré la paix, ils avaient quand même un petit plan en tête. Très sympa ça, on peut se faire une petite LAN ici. On peut se faire une petite LAN. Ok, ça c'est rien. C'est quand l'autre il a fait son thug. Comment on a pu rater ça? Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire « on ». Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Oh la vache! Ils ont fait des tours et tout, mais attends, et pour ramener tout ce bois là? Ça retèque de ouf. Hein. La fidèle! Ah merde! C'est lui! Ok. T'aurais dû rester, vous t'étiez... Faites gaffe! Voilà, ici c'est la rue, mon pote. Allez, donne-moi ton arme. Voilà, merci frérot. Bon. Non. Voilà, beaucoup mieux. Wouh! Oh, il m'a fait peur! Et ça, c'est très chiant. Hé! À notre droite! Bien joué, frérot. Personne là-haut. Restez là! Ok. Et là, je pouvais re-one-shotter quelqu'un, je crois, quand j'ai actionné ça. Ouais. Très bien. Bon, bah, c'est terminé, on les a arrachés.
J'ai encore utilisé pas mal de balles pour le coup. On a quoi ici? Ils sont bien dans leur petit QG. Hein. Je vais t'aider. C'est bon. C'est rien, c'est la rue. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Je sais plus, ils l'ont appelé comment? L'infidèle, non? Comme d'hab. Rien ne change. Ok, là on n'a plus rien. Et on sait que c'est parce qu'il s'est rasé le crâne, je sais pas, c'est bizarre. Non, j'ai peut-être dû louper. Bah, je verrai au montage comment ils l'ont appelé. Parce que pour le coup, moi je suis resté sur l'infidèle. Ok, on a quelque chose ici, mais on a aussi là-haut. Il y a deux endroits différents pour monter. Ah, c'est pas par ici. Ah, c'est un enfer. Je reconnais. Et il y a là, je crois, non? Ah mais non, mais pas du tout. Oh, mais quel enfer. Quel enfer, là, vos bâtiments de mort aussi, putain. À mettre des échelles. Dégage. Dégage, je vais t'arracher, lève. Ok, on va passer par là. Allez, go. Alors, c'est beau, belle peinture ça, un artiste. Belle peinture. C'est les Scars qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes, et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Ouais, chelou, hein. J'ai hâte de la voir, elle aussi, là. Hein. On la termine rapidement, là. Ok, on a un atelier. Ça, c'est pas mal. Là, faut vraiment qu'on modifie. Oh, oh là 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 là. Régale-nous comme ça, là. Peu chère bonne mère. Oh là 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 là. Ok. Bon. Eh bien. En vrai, je suis pas. Vous savez quoi? Je suis même pas sûr. Je pense plus que la stabilité, c'est important. Ou limite la vitesse de rechargement. Le pistolet, on va essayer de modifier ça vite fait. Cadence de tir, ça peut le faire. Ouais, je pense qu'en fait... non, la capacité, c'est pas ouf. Hein. De toute façon, tu mets une tête, tu mets une tête. Ça peut se faire très vite. En vrai, la vitesse de rechargement de l'arc, ça sera mon prochain truc. Vitesse de rechargement de l'arc, parce que j'avoue que l'arc, ça tabasse de ouf. Allez, go. Je passe devant, cette fois. C'est un honneur. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fiers de lui. Nous le sommes. Merci. Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Mais je ne pense pas qu'elle soit prête. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Ouais. Bien sûr. Sur la droite. C'est l'infidèle! Arrête! C'est une blague! C'est une blague! Merde!
Putain, meurs du premier coup au moins, quoi. Je vais t'arracher, je vais te découper. Ferme ta gueule, toi. Oh. Ok, je vais t'arracher. C'est jamais fini, en fait. C'est jamais fini. C'est fini. C'est totalement fini. Et on va s'arrêter là. C'était la première tentative. On retente tout de suite dans le prochain épisode. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. À tout de suite, tout le monde. Et ils sont très nombreux, ça va swinguer.